Et coucou les amis, bienvenue pour la dernière journée, non pas de la semaine, enfin si on est vendredi, mais du tournoi. Alors en défense, c'est un peu du n'importe nawak, hein, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. Donc du coup j'ai fini tout à l'heure en rang C. Et on va voir ce que donnent les attaques ce matin, on va voir un peu comment ça se passe, les premiers combats, si on remet des gemmes ou pas. Allez c'est parti. Alors, c'est mes yeux ou... J'ai du mal à distinguer les couleurs ce matin. Comment on va attaquer ce truc-là? Alors, il y a lui à enlever les bonus. Il faudrait que je me cleanse aussi, là, l'espèce de... De fauve Kélil alors les deux jaunes sont pas mal, les trois verts sont pas mal. Je vais peut-être garder brume à ce moment-là pour éviter les nouveaux bonus. Bon, les trois verts me semblent indispensables. Mais est-ce que je me mets un cleanse ou pas? Parce que lui, il baisse l'attaque, là, Skittle. Lui... Alors, lui, il baisse sa défense. Ça m'arrange. Mais j'ai aussi quelque chose, besoin de quelque chose pour débuffer. Au cas où, Kirill se mette en place. Ah ouais, alors lui, il faudrait que je le déclenche après Skittle. Parce que Skittle va me baisser l'attaque et lui, il va contrer avec plus 50% d'attaque. Ça peut être pas mal. Je sais pas. J'en sais rien. Ce matin, j'ai pas la tête en plus. J'ai la tête plutôt quelque part, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je garde la même équipe. Alors, bah il n'y a pas grand chose. Hein. Oh là là. Alors si, là je prends les 4 verts. Pas me gêner. Je vais pas me gêner. Là je vais essayer de faire du combo. Allez, faut que ça remonte. On va essayer de faire remonter du vert là. Voilà. Parfait. Allez, je prends. Ensuite, je vais baisser l'attaque. La défense, pardon. Ici. Oh, j'aurais dû mettre... Putain, je suis trop con. Lui, je veux pas qu'il tape. Allez, deux verres. Ça va peut-être le faire. Voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Faut juste que je sois... un petit peu plus rapide pour tuer. Ah non! Non, un petit jaune là, je suis... Ou un petit vert, ouais, c'est pas mal. Top, 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 top. Arrêtez de taper. Voilà. Ça va le faire. Piouf! Allez, on continue. Oh! Lui, il a riposte. En plus, il est sacrément costaud. Il y a brume aussi. J'aime pas trop cette histoire-là. Donc, les trois bleus, c'est sûr. Et je vais partir avec trois bleus et deux violets. On va complètement changer l'équipe.
Alors, violet, on a Tiburtus et Amétrine qui vont bien ensemble. Et les bleus, j'avais Sonia, j'avais Yacht. Alors, je vais mettre Grim et Yacht. Est-ce que je mets Grim? Ouais. Je vais inverser. Je vais mettre Tiburtus là et Sonia qui tape quand même plus fort ici. Alors, est-ce que j'ai besoin de quelque chose en particulier? Oui, lui pour lui enlever sa riposte. Elle, est-ce que je peux la bloquer ou pas? Je ne sais rien. Qu'est-ce que je pourrais mettre en bleu? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai rien de spécial. Et en violet, est-ce que j'aurais quelque chose d'intéressant à jouer? Sabina, Proté, ouais, peut-être éventuellement un Proté pour bloquer, mais il est pas rapide. Donc, on va plutôt voir cette équipe-là. Et là, on va plutôt privilégier l'attaque. Voilà. Bon, bah c'est parti, hein. Donne-moi du bleu et du violet, s'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, c'est pas mal ça. Un joli petit mouvement ici, là, voilà. Un petit là. Et voilà! Et Yvan, t'as vu? Il est là, le diamant. Hein. Je l'ai pas oublié. Je l'ai vu. Alors, lui, il va déclencher. Je vais peut-être pas le tuer avec une tuile bleue. Mais par contre, je vais la faire quand même. Ah, cool, il a pas déclenché, en fait. Trop bien. Est-ce que je le tue avec 3 violets? Alors, par contre, ce que j'ai bien envie de faire, c'est les 3 violets ici qui font un jaune, un rouge, pardon. Et là, après, voilà, c'est pas grave parce que je vais, boum, enlever tout ça. Je vais reprendre 3 bleus. Voilà. Je vais envoyer ici pour dégager brume. Maintenant, je vais... J'aurais bien aimé faire un match bleu, en fait. Pour que Yacht soit plus efficace. Maintenant, c'est pas grave, on va taper. Voilà, ça se passe nickel! Toi, tu dégages. Et boum! Diabolique. Alors. Oh putain, ça sent pas bon ça. Heureusement qu'Elie, elle est pas en... putain, heureusement, elle est pas dans sa version costumée. Mais là, ça tape fort et dur et rapide. Donc, il faut partir en... Alors, j'aimerais bien partir en rouge, mais je vais être emmerdé avec Sonia. Et mes rouges sont vraiment pas top. Si je pars en bleu comme ça, là, je suis dans la merde pour buter Kaedmon. Ça appelle le rouge quand même, hein. Ça appelle le rouge quand même, mais c'est vraiment la misère en rouge. Je crois que j'ai jamais gagné un combat en rouge encore dans ce tournoi. Je peux éventuellement jouer ça, mais bon, je trouve que ça manque un peu de... Un peu un petit truc là, un petit déclic, un petit machin, mais bon. Allez, on va essayer. Le rouge et je vois après pour faire le diamant du vert. Bon, par contre, si tu me sors pas de rouge, je vais rien faire là. Voilà. Et sérieux, il est pas mort. Voilà, dégage. Allez, on va se débarrasser du jaune.
Maintenant, il me faut du violet, s'il te plaît. Oh la vache, mais sérieux, mais sérieux! Ils sont où les ratés là? Putain, c'est toujours pareil! Ah, ça me. Ah, bah ils sont là. Oh là là, mais 500 l'attaque automatique! Oh la misère! Alors vas-y toi, vise bien par contre. Donc toi, je vais m'occuper de toi vu que t'as la défense baissée. Oh, et j'ai que du vert et du jaune dans ce combat quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quelque chose quoi? Ah bah voilà, c'est maintenant que tu me donnes du rouge! Putain! Bon, voilà, voilà, je vais me faire niquer, et voilà, je me fais niquer, putain, mais sérieux, ça me gonfle. Bon, voilà, alors, bah du coup, c'est chiant, à chaque fois que je mets une équipe avec du rouge, bah, je crois que j'ai toujours perdu, il faudrait que je revoie mes vidéos, mais... Mais je crois que dès que j'ai sorti du rouge, c'était la cata. Bon là, il y avait une grosse équipe quand même. Hein. C'était assez costaud, rapide surtout. Et Wukong, sérieux. Oh mais quand il se déclenche, c'est juste pas possible quoi. Bon bref, je remets pas de gemmes. Voilà, il me reste deux combats à faire très sincèrement. Je vais pas payer 75 gemmes pour faire deux combats et puis avoir en plus de grandes chances. Enfin de grandes chances. Potentiellement faire deux défaites, franchement, j'ai autre chose à foutre de mes gemmes. Le top 1, il passera pas, hein. on est vendredi matin, je suis 5036e, donc avec une défense C, c'est même pas la peine d'y penser au top 1, mais en même temps, on s'en bat les steaks, puisque de toute façon, top 1 ou top 5, au niveau des récompenses, c'est la même chose. Enfin bon, c'est la même chose. On a de grandes, grandes chances d'avoir un truc très sympa en top 5 et parfois mieux que le top 1. Donc franchement, je m'arrête là. 4 défaites sur l'ensemble de la semaine, sur 4 défaites sur 23 attaques. Bah, c'est un ratio qui n'est pas dégueulasse. Hein. Ça fait moins de 20% quand même de défaites. Et puis, chose importante aussi, c'est vrai que je n'avais peut-être pas parlé, j'ai aussi décidé de... alors pas d'arrêter de payer, parce que je vais prendre de temps en temps des toutes petites offres, mais je vais franchement limiter au strict minimum mes dépenses sur le jeu. Voilà, j'en ai un peu ras-le-bol de prendre des offres, de faire des invocations, et puis d'avoir... 1 5 étoiles ou 2 5 étoiles sur 100 invocations, 150 invocations. Là, je pense que je vais finir le mois de décembre à presque 200 invocations. Et pour l'instant, j'ai eu 2 Mernor et Marjana. Donc voilà, pas de HOTM non plus, alors que je le veux absolument. Le mois dernier, j'ai pas fait beaucoup d'invocations, j'ai eu 2 Balbars. Je m'en fous complètement des Balbars. Donc voilà, je vais dépenser mes gemmes très certainement dans le festival la semaine prochaine. Je sais plus trop, mais de mémoire, il y avait des trucs intéressants. Il y avait des potentiellement des héros intéressants. Donc je vais liquider mes gemmes. Là, j'ai eu Sergueï la dernière fois, donc ça me va. Je vais liquider mes gemmes. Donc du coup, bah, les gemmes vont devenir un peu plus rares, si vous voulez. Donc je vais pas m'amuser à remettre 75 gemmes pour faire deux pauvres combats. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire, événement, tour de la magie, c'est une plaie, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, c'est sympa à jouer, mais alors c'est d'une longueur, mon dieu, en plus quand on joue sans objet, comme moi, hein, je mets allez, des petites fuel mana de temps en temps, juste pour aider,
allez, un petit sablier parce que franchement ça craint trop sur certains boss, donc un sablier pour me donner un peu de temps. Je sais pas, j'ai dû mettre un parchemin de résurrection, mais franchement c'est d'une longueur. Entre chaque tour, vous remontez des tuiles, il y a 10-15 secondes, il y a votre les trucs de hausse d'attaque qui se mettent, les trucs, les bidules. Et vous voulez faire votre match et ça veut pas. Et franchement, moi, ça me casse les pieds. Mais c'est... hier, j'ai dû mettre 45 minutes quoi, à faire les 10 niveaux. Quoi, alors que il n'y a pas 5. Il y a pas 5 vagues de boss quoi, et de petits monstres. Donc bon. Franchement, c'est très pénible. C'est très 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 pénible. En plus, il y a des fois l'intelligence automatique, ça fait n'importe quoi. Ça s'acharne sur le même héros. C'est chiant. Voilà. Donc je vais la terminer en tout cas en mode normal. Et puis je verrai si j'ai le temps dans le week-end de progresser un peu sur l'impossible. Mais je ferai comme la dernière fois. J'irai au plus haut de ce que je peux. Là, pour l'instant, j'ai beaucoup de héros qui sont maudits, mais c'est des héros dont je me contrefous des doublons ou des triplons de 4 étoiles. Et je sais que c'est à partir de l'impossible qu'il faut sortir la grosse artillerie. Et encore la dernière fois, je trouve, et on était pas mal dans l'Alliance, à penser que les premiers niveaux de l'impossible étaient un peu plus faciles que les derniers niveaux du normal. Et j'avais réussi, je sais plus, à aller en impossible. J'avais dû faire les 20-25 premiers niveaux. Donc j'avais dû faire une grosse cinquantaine de niveaux en tout dans la tour. C'est pas dégueulasse, il faut le faire quand même. Ça apporte de l'expérience gratos. Il n'y a pas d'énergie monde. On prend les petits emblèmes par-ci, par-là. Voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis à partir du moment où ça vous fait chier, arrêtez. Parce que voilà, c'est un jeu. Bon, et je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Il n'y aura certainement pas de GDA. Enfin, pas de GDA filmé pour moi en ce moment. Je vous dis à bientôt, les copains. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.